Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit épisode sur Farming et on va quand même essayer en vidéo cette petite machine puisque on n'a pas eu l'occasion de monter dedans en vidéo encore ou en live même puisque bon bah c'est le travail à Roustinou. Donc on va quand même faire ça et puis de toute façon j'ai rien d'autre à foutre. Donc si du pressage, du labour, du bordel, enfin les trucs habituels quoi. Donc voilà. Et comme on n'avait pas testé encore nous-mêmes en vidéo, je me suis dit c'est la même main. Au moins avoir un truc qu'on n'a pas vu, sinon j'aurais fait probablement un autre jeu aujourd'hui. Alors hier j'ai complètement zappé qu'on était jeudi. Normalement c'était du Prison Simulator. J'ai fait du Jurassic World. Tant pis. Prison Simulator, il y aura probablement le dernier épisode pour l'instant, la semaine pro. Et ensuite on attendra. Alors en espérant qu'on ait une émeute, si on n'a pas d'émeute tant pis, on attendra la prochaine mise à jour, parce que certainement qu'ils vont en remettre encore, hein. Je pense pas qu'ils s'arrêteront là-dessus. Donc voilà, on verra ça à ce moment-là. Donc ce soir on se retrouve en live sur cette petite map bleue. J'ai pas regardé, si j'ai regardé hier soir le mode, mais apparemment la whole stream devrait pas tarder. Donc ce serait soit pour ce soir, soit pour début de semaine prochaine, je suppose. Donc il y aura une présentation de map bien sûr, alors en espérant qu'elle soit bien. Alors de base la map est bien, après faut voir comme il a répondu si c'est bien ou si c'est pas bien. Enfin si c'est bien ou si c'est pas mon goût. Pas dire que c'est pas bien parce que Black Sheep fait quand même du bon boulot, mais si c'est à mon goût ou pas. Et puis on verra par la suite si on va dessus ou pas. De toute façon, on n'a pas fini sur celle-là. Donc on va déjà finir quand même sur celle-là avant de foutre le camp sur une autre. Et puis vous voulez pour le prêt, parce que le prêt il y a un peu d'avancement, il reste 465 000 et après on aura fini avec le prêt, ce qui est plutôt sympa. Chris a bien bossé hier, j'ai vendu un peu de palette du bordel et puis Chris il a fait le reste, il a vendu les deux remorques de Rubani, il a vendu le reste dans les palettes, il a fallu que je reparte moi et je ne sais plus ce qu'il nous a vendu, notre Chris National, enfin un tas de bordel. Et du coup, bah voilà, il reste plus que ça. Donc sur 1 555 000, quand même pas mal là, de rembourser assez rapidement. Tout en achetant la machine en même temps. Parce que c'est vrai que si j'avais pas acheté la machine, il resterait à peine 200 000, je crois. Donc ça va, ça gérait. Et du coup, il faudra que je recharge un peu les usines. Parce que là, j'ai mis les fraises à vendre, j'ai mis le sucre à vendre, j'ai mis beaucoup de choses à vendre. Je crois que je recharge un peu l'outil. D'ailleurs, j'ai pas regardé le sucre au niveau du. Alors attendez, je vais juste me remettre à peu près droit. Au niveau de l'usine à gaz, là. C'est où? C'est là-dedans qu'on s'en sert? Ah si, il y en a encore plein. Il y en a encore tout bien, hein, du. C'est là, il va falloir que je commence à recharger. Là, j'ai mis du blé là-haut, je vais continuer d'en emmener. Là, je viens de faucher le tournesol, donc c'est bon. Le tissu, c'est bon. Le sucre, va falloir recharger, et ça il y en a pour un moment. À prendre le tapis. Là, il faudra que je remette de l'eau pour les fraises, il faudra que je les mette au machin. Et les vêtements, bah, effectivement, ça ne suit pas, puisque l'usine à vêtements travaille plus vite que l'usine à tissus. Donc je me tâte à faire un coup de 56 en coton, ça nous fera deux bottes, enfin une botte et demie, je dirais. Ça fait chier de louer la machine pour un champ, mais bon, j'ai pas envie de tout mettre les champs en même temps parce que là il y en a pour un lent moment. Et du coup peut-être mettre le 56. Ou alors plus tard, j'attends encore un peu, puis on mettra un peu plus tard quand on aura remboursé le prêt. On mettra plus tard le 56 ou un autre champ qu'on achètera en coton. Histoire de. Ou alors on laisse comme ça et puis ça produit comme ça produit et puis voilà. Hein. On va se prendre la tête avec ceux. Parce qu'effectivement, c'est quand même bizarre. J'aurais plus vu l'usine à tissu produire plus vite que l'usine à vêtements. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. C'est eux qui ont fait, c'est pas moi. Donc du coup, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On va tâcher de garder une partie de la paille. Parce qu'il m'en refaut un petit peu. Je crois que j'en ai encore, mais il va m'en falloir un petit peu. De quoi? On s'en bat les couilles. Je connais pas, on s'en fout. Tous les numéros qui ont besoin de moi, ils ont mon portable, donc il n'y a pas besoin de répondre au fixe. Je pense que je vais le débrancher. Ça va arriver très rapidement parce que ça m'agace.
c'est chiant, ça fait que ça. Ça fait déjà 3 fois aujourd'hui, elle dit Juju. Donc, puis alors, les pubs, les machins, ça casse les couilles. Les gens, c'est des malpolis en plus au téléphone. Il y en a qui a demandé. Alors, un par exemple qui a fait de la pub pour Free, elle m'expliquait tout à l'heure. Qui a demandé à Juju combien on payait par mois d'internet. Déjà, j'ai envie de dire que ça peut bien y foutre. Et Juju, elle lui dit, bah, j'en sais rien, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon conjoint. Puis l'autre, sans pression, passez-moi votre conjoint. Sinon, s'il te plaît, ça te ferait mal au cul. Et Juju, j'ai dit, c'est dommage, j'étais pas là, j'étais au boulot, parce que autrement, il m'aurait dit, combien vous payez d'internet? J'aurais dit, qu'est-ce que ça peut te foutre de la police? J'aurais rajouté par-dessus, de toute façon, je veux pas venir chez Free, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, c'est de la merde, Free, j'en veux pas, c'est de la merde. Donc, ouais, ils ont pas de gêne, hein, ces gens-là, rien à foutre. Le téléphone, c'est pas un jouet, hein. Enfin, c'est quand même grave, ça. C'est quand même grave. Comme dit mon père, j'ai pas besoin de vous. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais demander. De le faire tout seul. Comme il dit si bien, il va me démerder tout seul. C'est moi, il y a un problème de paille ici. Effectivement, il y a un petit problème de paille ici. Yolanda est invisible. C'est la première fois que ça me le fait, tiens. Ça me l'avait encore jamais fait. Curieux. On dirait JD avec le problème qu'il avait avec son tas de cailloux. Ah ça y est, ça se pose. Ah bon, bah, j'ai rien dit. My bad, j'ai rien dit. Ah pourtant ça va, je suis tout seul sur le serve, il n'y a pas 15 000 choses détendues là. Hein. Pas besoin de craquer pour ça. Hein. Serveur, il en chie peut-être un peu. Possible. Hein. Possible, possible. Du coup, il y a beaucoup de choses à ressemer. Hein. Il y a tout cela. Enfin, faut rappeler, presser avant. Il y a celui-là. Mettant colza. Et puis il y a tous ceux-là. Donc là, il y en a une bonne dose, il y a du boulot pour ce soir. Hein. Il y a du boulot pour ce soir. Alors essayez de mettre une culture différente, parce que autrement. Là, ils m'ont tout mis en blé. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont branlé. Fred a semé la partie des champs où on était avant, où il y avait la ferme avant, en blé. Et du coup, il a mis le tracteur par là autour. Et Chris, quand il a monté dans le tagazo, il n'a pas fait attention à la semence et il a semé ça en blé aussi. Donc du coup, ce qui fait qu'on a tout en même temps. Et puis le tournesol qui a mûri en même temps que le blé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais pas chercher à savoir. Alors t'as intérêt de te dépêcher de reculer parce que vous avez vu les boudins que ça fait. La presse elle en chie pour avaler tout ce. On va faire un deuxième travailleur. Et puis puis après on fera des lignes, hein, tranquillement. On fera des lignes, on fera des lignes. Alors oui, bon, bah, j'enchaîne tous les champs en même temps. Hein. On est juste à côté de la ferme, c'est tous les champs semés en blé. Je tiendrai. Alors, je trouverai trop de temps long. C'est comme j'ai expliqué à Chris le dernier coup, on en parlait, puisque vous savez que j'aime pas trop rester 3 heures dans le même champ parce que ça m'agace. En fait, ça me saoulerait vraiment ces champs-là, là, les 4 champs à la fois. J'en mettrai un en blé, un en orge, un en machin, un ceci, un cela, voilà, histoire de changer. Là, ça va, on a quand même du matériel qui est globalement taille moyenne. Ça avance quand même assez vite, donc. Bon, je me dis, on peut tous se mettre en même temps. Ah, déjà? Elle a encore pas, c'est encore pas dormi, la chiasse, là. Et le bordel elle-même. Incroyable. Quelle chiasse. Il y a de fortes chances que vous l'entendiez dans la vidéo. Elle discute. Elle discute, elle discute. Et du coup. Saucisse. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Oh bah Dieu, non, non, bah, ça va pas être pour ce soir. Non. On va pas faire que des olives en live, sinon à force vous allez vous faire chier. C'est toujours la même chose. C'est déjà remue, mais c'est incroyable ça. Mais l'usine, elle a pas le temps de boire. L'usine. Ah oui? Voilà, on va vendre en direct, hein. Un peu de pépette. Ah Dieu, qu'est-ce que c'est cette usine qui commence à rien, puis qu'est-ce que c'est cette production d'olives? Je voulais en mettre plus de base, mais je suis pas sûr que je vais en mettre plus. Oh, cette sacoche. Bah si, on met plus pour vendre, ça peut être sympa, mais. Oh la vache. Ça bouille. Allez, retourner, Justino. J'aperçois. Allez, retourner. Ah, du coup, je vais trouver une solution. Pour enlever l'odeur de la voiture, enlever l'odeur du sans bon, normalement ça s'appelle du. Ouais.
du parfum, mais ça empoisonne, ça pue la mort, j'aime autant que ça sente la vache, c'est plus sympathique. C'était quoi du vinaigre blanc que t'as mis? Elle a fait bouillir du vinaigre blanc et elle l'a mis dans l'auto. Alors elle l'a pas mis sur les sièges partout, hein. Elle a laissé dans une gamelle. Ferme l'auto, pas à clé, pas forcément. Et tu laisses les vapeurs faire. Alors le problème c'est que c'est tout gras partout. Mais bon, pour l'instant ça a l'air d'être efficace. Tu laisses ça pendant 2 heures et après tu ouvres l'auto pendant une demi-journée. Il n'y a plus qu'à frotter le tableau de bord et tout le bordel. Mais normalement ça devrait suffire. J'espère parce que c'est lourdingue, hein. C'est lourdingue. Chou-plat. Chou-pling. Alors normalement je devrais pouvoir en remettre encore un peu avant d'avoir la benne pleine. Parce que là ça fait quoi? Ça fait 9 et 9, 18. Ça fait 18 300 litres et la benne fait 22 500 je crois. Donc du coup, eh bien il y a encore un peu de place. On va pouvoir en remettre encore un peu avant de se barrer pour, on va même pas vendre, pour aller à l'usine là au-dessus. Je vais tout mettre parce qu'il n'y en avait plus guère. Hein. Oh, va tomber en panne de gasoil, Roger. Oula, bien fait le wire ça. On va juste avancer un peu là-bas, puis après on va aller faire le plein. Parce qu'il reste 27 litres. Je suis sûr que Chris l'a déjà hurlé au moins 15 fois derrière son PC quand il a vu ça. On va y aller, on va y aller. On va aller refaire le plein. Parce qu'autrement, il va m'en arriver la même chose que le dernier coup. Et là, c'est pas un tagazou à pousser, c'est une machine. La machine, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça se fait, mais un peu plus compliqué quand même. Putain, mais elle boit comme un trou. Elle a déjà bu 670 litres en 4h08. Qu'est-ce que c'est que cette sacoche? Elle boit comme un sachot, là. J'aurais dû éviter de couper la machine, peut-être. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu la relances, elle bouffe un litre. Là, vous voyez, elle m'a bouffé un litre là. Alors si tu fais ça à chaque bout de champ, bah, elle en bouffe, hein. Elle en bouffe des litres. Hein. Du coup, je vais juste avancer un peu. On va y faire le plein avant que j'oublie et que on se retrouve encore en rade là. Ce serait con, hein. On est tout près de la ferme, mais ça serait laid. Je vais juste aller au bout de celui-là. Oh ma petite bête. Mal barré, hein. Faire la sieste tout c'est pas bien bon. Allez, roule ma poule. On va faire le plein avant d'être en rade. Et on va se retrouver couillonné. En tout cas, c'est une bonne machine. J'aime bien. Elle fait un beau bruit, elle ronronne bien. Ah, ça gueule. C'est pas bon, hein. Alors du coup, je vous explique ce qui m'est arrivé ici, parce que comme vous voyez, les remorques sont pas réellement mises comme on les avait mis. Déjà la troisième, je sais pas ce qu'elle fout là. Ah bah c'est Chris qui l'a laissé là, c'est pour ça. Et en fait, les deux autres, j'ai fait un peu du domino avec, parce que j'avais Quetelin sur les genoux, et Quetelin, elle s'amuse à bouger la souris, donc du coup, je voyais rien du tout. Et je me suis dit, bon, je connais la ferme, ça va aller, mais j'avais oublié qu'il y avait les remorques, donc du coup, j'ai fait un peu du bowling. Aisé. Aisé, aisé. Bon, adieu cette sacoche. Il m'a même coûté cher, toi, cocotte. Hein. Voilà. Qui c'est qui s'est servi de la machine le dernier coup? C'est Kiki? C'est Fred? Ou alors c'est Juju? Ou alors c'est moi? Non, c'est pas moi, je crois pas. Moi j'avais commencé, c'est pas moi qui avais fini. Oula! Ding ding et paf! Allez, c'est reparti, mon Kiki. Reparti pour un tour, cocotte. Oh, ce bruit qu'elle fait, moi j'aime bien le bruit. Il est bien sympa ce petit bruit là. Il me plaît bien. Il me plaît bien, il me plaît bien. Du coup, on n'a pas plus gros en barre de coupe pour mettre sur la New Holland. Enfin, on n'a pas d'autres barres de coupe New Holland. Donc le prochain voyage, ce sera une plus grosse machine. Ou alors on peut adapter une autre. Bah bon, mettre une barre de coupe casse sur une machine New Holland. Ou John Deere, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou. Parce que là, en l'occurrence, on est. Ah, alors attendez, si je peux. Mets-toi voir droit pour moissonner, Roger, please. Merci. On est à celle-là. Alors la prochaine, ce serait la Joinder. 285 000 boules.
Et du coup, la barre de coupe qui irait avec, parce qu'on n'est pas obligé de mettre la barre de coupe qui va avec non plus. 7 mètres 6. Ah! Ah oui, d'accord. C'est baisé. Ce serait la case, alors 10 mètres. Non, 8 mètres 5, la même que celle-là. Donc la classe. La classe 10 800, mais le problème de la classe, c'est que. Il y a les chenilles, j'en veux pas. Il y a les chenilles, j'en veux pas, voilà. Puis là, c'est tout des chenilles. Ah si, ah bah si, celle-là aussi. Oh la merde, j'en veux pas. Hein. Donc ce serait soit la joindaire, avec une barre de coupe gigantesque, je pense. Massif end joindaire. Oh mais là, c'est trop gros, 13 mètres 7. Ah, l'orange. J'ai pas fini de regarder. Je n'ai pas fini. Je vais juste vider ça. Alors attendez, je vais regarder quand même. Curieux, mais. Pas curieux, mais j'aime bien savoir. Du coup. Donc là c'est 8 mètres 5 et la classe c'est 10 mètres. Oui, mais je veux pas de la classe. Et la fond. Il y a des machines fond. Je sors de ma grotte, moi. Oui, vas-y, mais j'en veux pas. Et du coup, si on prend la case IH, 301 000 boules. Oh. Celle-là. Donc ça, on a vu. Donc ce serait 12 mètres. Oh, un dieu, ça fait gros. Hein. 12 mètres. C'est gros. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Ah! Je me rappelle plus que je l'avais mis là, ce con. Chariot de Seymour. Allez, roule ma poule. Ah, j'aimais très bien salarié, le problème c'est qu'il va me faire des tiotios là. Au lieu d'aller sur l'autre champ, il va s'arrêter là. Donc je mettrai pas de salarié. Pas cette fouille. Pas cette fouille, pas cette fouille. Du coup, bah, la semaine pro, on garde le programme habituel comme je l'ai dit. Pour l'instant, dernier épisode sur Prison Simulator avant qu'il nous rajoute des tâches et du bordel. Sinon, c'est le même programme que l'habitude. Si ce n'est que peut-être qu'on finira Snow et on repartira sur la Canadian Runner. Et sinon, on fera le même programme et ce sera la semaine d'après s'il n'y a pas de match sur Prison Simulator. On partira sur Lawn Moving le jeudi, histoire de voir cette débroussailleuse. Si ça vaut le coup de caser tout en un épisode, je ferai quand même un épisode. Sinon, on fera en deux, c'est pas de problème. Et après, soit on part sur Far Cry. En fait, Gas Station, ça me pose pas de problème. Le truc, c'est que Far Cry, j'ai prévu de le faire avec Chris Kayak. Et je sais pas si je le fais en live ou en vidéo encore, ou alors si je fais les deux, c'est-à-dire un live de Far Cry par semaine et une vidéo. Mais comme je fais avec Chris et que plus tard il sera pas là, il va être pas mal occupé cette année, peut-être attaquer tôt quand même. Enfin tôt. Le plus tôt qu'on peut parce qu'après quand il va venir les beaux jours, il va être pas mal occupé, il va être pas mal absent. Donc, du coup, soit en cours de route, je rechopperai Maquet ou Papy, ou soit. Je vais pas dire soit on arrive à tout faire d'ici là, parce que je suis tellement à ramasser tout ce qui traîne sur les jeux comme ça, que en fait. Alors, surtout qu'il faut ramasser, parce que si tu veux crafter des armes du bordel, il faut que tu ramasses. C'est une obligation. Et comme je suis un peu comme ça dans ces jeux-là, où je ramasse tout un tas de bordel, j'ai tout, un peu tout ce que tu veux dans mon inventaire. Et eh ben, on a tendance à pas avancer. Et puis merde, on est pas là pour rusher le jeu, hein, à un moment donné. Donc je sais pas si je fais en live ou en vidéo. Sur ces jeux-là, les deux formats peuvent être sympas, que ce soit en live ou en vidéo, parce que le jeu, en tout cas l'histoire, permet de pas trop s'ennuyer en vidéo. Normalement, c'est un peu narratif. Être en multi aussi. Enfin, en coop, mais c'est vrai qu'en live sur ces jeux-là, d'habitude on rigole le bien. Donc, je ne sais pas, je me tâte encore. Il y a quelques jeux de prévus aussi. Le jeu que c'est qui m'a envoyé ça hier. Ah, je ne sais plus, mais Fred était déjà au courant. Il le suivait déjà le jeu. C'est Farm Renovator, une connerie pareille, je crois. Celui-là, je le vise bien sûr. Il y a un autre jeu qui me tente bien. J'ai pas de date de sortie, j'ai pas regardé depuis. C'est Car Manufacture qui me tente bien.
Mais c'est pas pour tout de suite, il est pas sorti. Et après, pour l'instant, j'ai pas grand chose plus en visu. J'ai pas regardé la liste des jeux qui allaient sortir, donc j'en ai pas la moindre idée. Donc on verra. On verra ce qui sortira. Ok, on va aller se faire un petit voyage jusque au moulin. Et puis après, on stoppera là pour aujourd'hui. Donc voilà un peu pour le programme des jeux à venir. Alors faut pas qu'il y en arrive trois à la fois. Si je veux arriver à tout assumer, de toute façon j'y arriverai pas. Comme j'ai dit cette année, bon, si farming avait été pourri, là en effet j'aurais peut-être pu suivre. Mais comme celui-là est bien, de toute façon quand on changera de série, ralentir un peu la cadence, comme je l'ai dit, hein, même si j'en ferai. En fait, c'est pas une question de ralentir la cadence sur les séries. Enfin si, pour moi si, mais comme le mercredi, je mets les présentations de mode. Et que probablement il y a un peu plus de maps qui vont arriver sur le mode hub. Ça fera déjà deux vidéos dans la semaine où ce sera plus la série, mais une présentation de mode et une présentation de map. Donc ce qui fait que ça ralentira un peu la série. Et ce qui va me permettre de soufflailler un peu. Et à la prochaine série, on l'attaquera en facile, pas en normal comme on fait là. Comme ça, on fera un peu moins d'épisodes sur les séries, parce que là, on est à 64, je crois, déjà. Et je pense qu'il y en a pour au moins 80 épisodes avant qu'on ait fini. Donc, admettons, on se met en facile, il y en a pour 40 épisodes, je pense que c'est pas mal. J'avais dit que je voulais pas bâcler les séries comme j'ai fait sur le 19. Sur le 19, on faisait 20 épisodes, donc disons que entre 30 et 40, je pense que ça peut être sympa. Minimum 30. Donc voilà. De coller, de coller. Et comme j'ai dit, je lâcherai pas le multigaming. Donc il va y avoir d'autres jeux à venir. Et puis ça permet aux gens d'en découvrir. Il y a eu des gens l'année dernière qui ont découvert pas mal de jeux grâce au live qu'on a fait dessus. Et il y a des gens probablement si j'avais pas fait de live dessus, ils n'auraient pas découvert ces jeux-là. Donc c'était bien cool. Il y en a même qui ont acheté du coup Snow. Bon, Snow après c'était une évidence depuis que on a lancé sur MudRunner il y a quelques temps déjà. Qui attendaient avec impatience Snow. Il y a des gens qui étaient indécis avant la sortie et quand on y a joué en live et tout, qui se sont décidés. Que ce soit celui-là ou d'autres après. Hein. Par exemple, Powerwash, je sais que Sandrine l'a acheté parce qu'elle a regardé la vidéo. Enfin, etc., etc. Je ne veux pas citer tout le monde, mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Pareil, Lone Moving, il y a des gens qui n'étaient pas du tout au courant et qui l'ont pris parce qu'ils ont vu comment ça tournait en vidéo. Et voilà. Tant que ça. Comment dire? Bah, ça fait découvrir des jeux aux gens. Et s'il y a des gens qui avaient déjà des jeux en visu et que ça leur a. Attends. Parce que j'ai un problème avec mon joystick qui me fait tourner mon tagazo, il ne veut pas rester droit. Et si ça permet aux gens de peaufiner leurs idées, c'est-à-dire qu'ils étaient indécis pour prendre tel jeu et puis que je l'ai fait et que finalement ils ont bien aimé ou pas aimé, ben voilà, ça leur a conforté dans leurs idées. Et c'est plutôt cool. Et comme j'ai dit, il n'y a pas que farming dans la vie. Hein. Farming, c'est un jeu qui est quand même bien sympa quand il est bien fait. Alors, on va pas parler du 19 pour le coup. Quand il est bien fait, c'est quand même un jeu bien sympa, mais comme j'ai déjà dit à maintes reprises, il n'y a pas que ce jeu dans la vie. Même s'il y en a qui pensent que si. Mais il n'y a pas que celui-là dans la vie. Il n'y a pas que celui-là. Alors, mon petit, c'est le lourd. Vide-moi ça. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va stopper, messieurs-dames, pour aujourd'hui. On se retrouvera ce soir pour le livre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous avez la vie dans la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!